Bonjour à tous, on se retrouve sur ARK. J'aurais pas pu marquer bienvenue en bas, c'est chiant. Bon, on va continuer donc la petite survie sur ARK. Où est-ce qu'on... Alors, j'ai haché les nains, mais c'est normal. C'est parce que j'ai pris le pack Genesis. J'ai essayé un peu le pack, mais il est beaucoup trop chiant. Si tout le monde souffre comme cela, c'est parce que j'ai amélioré, parce que j'ai eu, enfin, comment dire, j'ai changé mon disque dur et du coup, bah, j'ai eu des petits trucs à refaire, bien sûr. Donc, j'ai remodifié les mods et en fait, maintenant, ils ont carrément plus de vie. C'est des tanks les machins. Si on prend le dilo. Ah bah lui c'est pas un tank. Mais voilà, là c'est devenu un énorme tank. Énergie, il est à mort. Ou le poids, ou le bon poids. Voilà, j'ai réussi à faire en sorte donc de faire un truc assez correct. L'attaque est juste incroyable. On va améliorer bien correctement sa vitesse, sa vie, on va pas faire de trop. L'énergie, le poids, toujours le poids. Après je sais pas quoi améliorer, donc on va en rester là. Prendre les dodo. Ah le raptor, est-ce qu'il a été amélioré? Je ne crois pas, non, mais apparemment non. Une bonne grosse énergie, beaucoup d'oxygène. La nourriture, il est bien. Le poids, lui, c'est devenu un énorme tank. Et il va être très rapide. Là, on est bien là. Ah, t'as quelqu'un là, il est mort. Direct, hein, les dégâts qu'il a, je pense que ça fait, c'est une machine, c'est waouh, il doit être incroyable. Multi 1, d'accord. Du coup, au niveau des oiseaux, bah, du coup, tout est à peu près bien finalement. C'est le meneur. Son petit inventaire. Oulala, qu'est-ce que c'est beau. Par contre, on ne peut toujours pas améliorer la vitesse, ce qui est bien dommage. Malheureusement, on ne peut pas améliorer sa vitesse. Niveau nourriture, hein, mais c'est qu'il a faim. C'est qu'il a faim, ça veut dire qu'il va mourir en fait, si je lui donne pas à bouffer vite. Non, c'est pas ça que je veux faire. Non, arrête. J'aimerais juste savoir si j'ai du poisson. Oui, j'ai du poisson. Paf. Du bon poisson. Ok. Au niveau des autres, comment ça se passe? Ils ont de la bouffe encore, ça a l'air d'aller. Bonne grosse énergie comme toujours. Un max de poids. De l'attaque à gogo. Je pense qu'on a... Ah, alors lui... Lui, ça va être une énorme machine de guerre. Un poids insurmontable. De l'oxygène incroyable. Et l'attaque, mais l'attaque! Oh, l'attaque de malade! Oh, j'ai pu tout améliorer sur lui, c'est bien ça. Oh oh! Ah! Je vois. Du coup, bah, moi j'ai très très mal, je pense même que je vais me tuer. Comme ça, je vais être tranquille. Il a. Ouh, alors lui, il a fait. Plusieurs œufs.
Bon, alors, du coup, je pense que je vais me tuer pour pouvoir être tranquille. Pour cela, il va falloir que je fasse. Je sais pas, en plus j'ai de la torpeur qui monte. Que je me jette sur les pics. C'est une idée. Ouais, j'ai 257. Ça m'enlève beaucoup? Pas grand chose, mais. Je ne m'aime pas. I want to die. Ah, on est presque. Je sais pas. Non, ça les. Ça les a fait 8 points, machin. Je veux mourir, bordel. 88. Oh, ça enlève pas beaucoup au niveau des dégâts, honnêtement. Non! Je pète mon armure! Bon bah, j'ai plus de plastron. Tant pis, tant pis. Ah. Je vous dis au revoir à tous. Je suis mort paisiblement, c'est bien ça quand même. Oh, ah, faut que j'en visite tout, ouais, du coup. Ah, ça va être chiant ça. Ouest. Non, Est. Est 1. Est 1. Allez, hop, réapparaître. Bon, honnêtement, je ne connais pas ma vraie vitesse. C'est bien parce que j'ai spawné juste à côté de lui. Je ne connais pas ma vraie vitesse. Mais apparemment, je vais plutôt vite. C'est pas mal. Ah, 280, ah oui, quand même. Bon, allez, on rentre. Bien, bien, bien. Allez, rends-moi ça, ancien. Ah, j'avais une méchante barbe. Je l'ai toujours, cette méchante barbe. Affirmatif. Brontosaur. Fameux. Il me semble que j'avais dit qu'on allait déménager là-bas. En soi, ça ne serait pas une mauvaise idée. Seulement, le problème qu'on avait principalement. Toi, tu me sautes. Le problème qu'on avait principalement, c'est le brontosaure qui est impossible à manipuler jusque là-bas. À moins très certainement de faire soit un téléporteur tech. Mais comme vous vous en doutez, je pense que vous savez très bien qu'on n'y est pas du tout. Ou alors, faudrait faire un radeau en fer. Je sais pas trop si ça marche. Je n'en ai aucune idée. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est si j'ai débloqué tout ce qui est tech. Et si, dedans, il y a les trucs comme ça. Genesis. Mais pas ça, mais juste. D'accord, ok, je vois. Au niveau des Genesis. Je ne sais pas s'il y en a. J'en ai aucune idée. Oh, bibliothèque. Ah, j'ai. D'accord. Bon, c'est pas grave. On s'en fout. Là. Non, je n'ai pas débloqué les trucs tech. C'est super relou. Super relou. Bon, bon, bon. Ok. C'est pas grave. Bon. On va déjà réparer l'armure. Parce que bon, ça me saoule de l'usine comme ça. Est-ce qu'il y aurait des trucs dedans? C'est dans l'inventaire. Ah oui! Ah oui, d'accord. Ouais, ok. D'accord. Ouais, j'ai fait le plein, quoi. Je pense en fait qu'on peut aller se faire un boss facilement, hein, en vrai. L'inventaire.
Oh, je peux réparer mon armure facilement en fait, hein, y a pas de problème là-dessus. Ouais, non, y a pas de problème là-dessus. J'ai pas de fer sur moi là actuellement. Ce qu'il faudra, c'est que j'arrive à tout réparer. Tac, y a des trucs là-dedans. Tu parles tout à périmé, c'est du gâchis là. Après, tu me diras, ça demande pas grand-chose hein, de faire de la poudre comme ça. Alors. Ah bah, j'avais déjà les. Ok. J'aimerais la réparer. Réparer l'objet, parfait. On va réparer donc ça avec, ça avec, ça avec et ça avec. Réparer, 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 réparer. Parfait. Comme ça, l'armure va être bonne. Et j'ai une bonne résistance moi aussi. Donc il n'y a pas de problème à cela. Parfait. Et ben maintenant on est bien. Lui qui a équipé l'armure. je vais dire que. Oui, j'ai un compte Instagram. Je fais un compte Instagram. Et voilà. Si vous voulez la rejoindre, je le mettrai dans la description très certainement. Pourquoi? Ah d'accord. Oui, donc je le mettrai dans la description très certainement. Pourquoi encore? Oui. Je vais peut-être faire des lives sur Twitch. Parce que bah voilà. Faire des lives sur Twitch, c'est fantastique. Et peut-être que ça va m'aider à faire connaître ma chaîne. Je n'en ai aucune idée. Mais je pense que ça se tente. Alors, qu'est-ce qu'il fout là-dedans, ce dodo? Ah! Waouh, alors lui il m'a fait des crottes mais à volonté. Regardez-moi tout ça. J'ai 4 offres de Pélagornie. Bon lui du coup niveau vie j'imagine qu'il est pas super bien. Non, pas du tout. Il est pas super bien du tout. Ok. Je pense que faudrait se faire un radeau en fer. Ça pourrait être utile à mon avis. Mais je crois qu'il faut un centre du village. On n'a même pas fait la maison. Mais il me semble qu'il faut un centre d'usinage pour pouvoir faire cela. Je vais regarder, mais il me semble que c'est ça. D'hiver. Ah, voilà, appareil photo déjà. Exploration, non. Non, à mon avis, il me faut. Ça. Alors, il manque quoi? Poudre étincelle, pétrole. Alors, le pétrole, on peut le récupérer dans l'eau. Cristal, ciment, je pense que je dois avoir tout ça sur moi. J'ai pas de cristal. Je n'ai pas de cristal. Je dois en avoir quelque part. Là. Même pas. Ça s'annonce bien. Bah dans ce cas-là, on va aller chercher du pétrole. Allons chercher du pétrole donc. Sachant que j'ai du coup beaucoup d'oxygène. J'avais pas vu. Oh, salut toi. Sachant que du coup j'ai beaucoup d'oxygène. Je pense que ouais, on pourrait bien s'en sortir. Oh, je peux passer là-dessus. Largement. Ouf, j'ai cru que. Mais non, c'est bon. On va aller par là. On va aller au fond. J'ai jamais vraiment vu ce qu'il y avait au fond. Oh. Nous sommes dans les abysses.
Ça fait beaucoup de pétrole et ça c'est bien. Une raie. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? C'est vachement beau. J'ai une strawberry à pourri. C'est quoi ça? Comment on les ouvre? Oh, c'est des pierres de silice. Ça pourrait nous servir. C'est génial quand on a beaucoup d'oxygène quand même. Et beaucoup de poids, accessoirement. Oh! Ah, bon bah, je pense qu'on est à la limite de la map. Ouais, bah dis, on est parti vachement loin. Ouais, encore un petit gisement, là on va le récolter. En plus j'ai obtenu un trophée, c'est magique ça quand même. Ah, il y en a un peu partout des gisements de pétrole, hein, c'est sympa. On en a combien là? Oh, bah, on en a largement assez. Alors, par contre, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que c'est que ça. Canne à sucre, costume. Vous pouvez. J'y vais d'une massue. Une massue. On peut faire une massue. Je sais pas. Une massue. On va chercher parce que là, ça me dit rien du tout. Massue. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui, pour as. Ouais, d'accord, ok. Pourquoi pas. Bon, je m'en sers pas vraiment. Ah oui, on est parti vachement loin. Quand même. Mais il me semble qu'avec quand même, avec tous les cheats que j'ai pu faire, enfin, cheat, on n'a pas vraiment cheaté, mais bon, j'ai juste amélioré un peu la survie, quoi, parce que sinon après c'est trop compliqué. Mais avec toutes les options que j'ai rajoutées, le brontosaure là, à mon avis il peut. Oula, par contre ça lague. Peut-être attendre que la map charge. Non. Non, ça lague. Oh, c'est chiant ça. Ah, c'est bon. Avec tout le respect que je te dois, Brontosaur, tu devrais avoir une vitesse hors norme, non? Ah, puis on peut l'améliorer en plus. Ah, oh, c'est génial ça! Bonne énergie. Je te donne une bonne oxygène là. Et beaucoup de vitesse. Hop, voilà, on va s'arrêter là, on va pas en mettre de trop. Non, ça va être n'importe quoi. Bonne énergie, bien rempli de vie. Parfait. Je pense que. Bon, je pense que là c'est parce que je cours pas. Mais il doit être bien rapide. Ce que j'aimerais que l'on fasse vite fait, c'est une dinoporte. Donc comme celle-là. Seulement la dinoporte, on va la mettre. Là, par là, dans ces environs là. Juste histoire que bah on puisse sortir avec genre les poissons, tout ça. Tac. Je descends, vas-y doucement. Ok. Tac. Alors, j'aimerais savoir combien nous faut-il de pierres. Pour faire bah le. La dinoporte. Pierre. Dinoporte. Alors. Ouais. 900, 900, 900. Et là. 450. Ok. Ça devrait pas être trop compliqué. 900, 900, 900 partout. Ça me saoule de péter cette pierre là quand même. Qu'est-ce que c'est cette chose?
Ah! Ah, il se fait attaquer par un dilo qui est blanc. Il est magnifique. Adoptons-le. Voilà, alors ça c'est le genre de problème qu'on peut avoir quand on a trop de force. J'en ai combien? Attaque. 580? Ah! Il va falloir que je fasse avec autre chose alors. Ouais, accéder à l'inventaire. Il va falloir que je trouve autre chose. Bon. On prend de la bière. Il nous faut beaucoup de pierres. Ah. Oh, des petits. Oh. Bah, génial. Tuc. On a une autre pierre ici. Une belle pierre. Non. Oui. Bah dis, elle se casse vachement facilement la pierre. Il va falloir que je règle ça. Non, pas voir. Sans déconner. Faudrait qu'on se prenne un T-Rex en jeu. Ça doit être facile maintenant que je suis bien foutu là. Je cours comme ça tout le long de la map. Chope un T-Rex. On lui améliore bien sa petite vitesse, bien sa petite vie. Et puis je pense qu'on y est bien. Bon, je suis à combien? Je pense que j'en ai assez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4. Non, même pas 4. On va prendre encore un. Une pierre entière. Voilà. Le bois. Voilà. En un coup, l'arbre tombe. Ah. Pas celui-là, apparemment. On va prendre un peu de branchage. Ou on va éviter de. C'est pas parce qu'on a beaucoup de vie qu'il faut. Autant la garder, sa vie, justement. Oh, bravo. T'as réussi à résister à ma force extraordinaire. Ok. Je pense que on est pas mal. On va placer tout ça là-bas. Alors, une autre petite dinoporte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hop. Encore un, voilà. Au niveau du bois. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, on n'en a pas du tout assez. Le branchage, pareil. On n'en a pas du tout assez. Faut aller rechercher des branchages et du bois. On va commencer par les branchages. Bon, je pense que c'est bon pour les branchages. Maintenant du bois. Faut du bois. Du bois. Bien. Pourquoi pas quelques petites fibres. Ah, pour les fibres, j'ai un peu plus de mal, tiens. C'est pas grave, de toute façon, on a un truc exprès. Tac. Voilà. Voilà, je pense qu'on en a assez. On va pouvoir reprendre l'arbalète.
Parfait. Je vais juste recalibrer. Voilà. J'ai mal recalibré. Ok, c'est bon. Ah, j'ai encore la faux. Ok. Ah. Toujours penser à refermer. Bon, je pense qu'on a tout. L'inventaire n'est pas encore rempli, encore heureux. Bon, allons voir. Pierre. Il manque quoi? Il manque des branchages. Il m'en reste 80. Je suis pas sûr que ça suffise. J'en ai encore là. Parfait. Et ben voilà. On les a. On a tout. Très bien, très bien. Je sais pas si en un coup je le défends. Hein. J'en ai aucune idée. Je vais faire quoi? Oui, j'allais placer la porte. Alors. On va casser ce pic ainsi que ce pic. Je ne pense pas que cela suffise. Nous allons détruire encore ce pic. Et je pense que là, on est bon. Oh. Salut petit. Ok. Je pense que là on est bon pour placer notre belle dinoporte qui se trouve là. Escalier et la porte. On va mettre là. Ok. Bien placé. Très bien placé. Tada! Et voilà notre belle dinoporte. Et je pense que avec ça, on va pouvoir faire passer notre joli brontosaure. Alors moi, je propose que l'on essaye. Donc on va essayer ça. Du bon sens. Ce qui n'est pas très très simple. Se demander même s'il passe la porte. Pas oublier qu'il a une petite vie, notre brontosaure. Non, il a une bonne vie. Il se régène entre deux. Oula. Il passe, parfait. Est-ce que tu pourras juste reculer une chouille, mon petit pote? Ok, parfait. Bouge pas. On va te reculer encore un peu plus. Que je puisse fermer la dinoporte. Bon. Tu sais quoi, reste là. Ok, c'est bon.
C'est génial ça! Un brontosaure aquatique, vous y attendez pas, hein? Ah, c'est ouf ça! Hop, alors là, s'il attaque, il défonce tout le monde. Hein. Un brontosaure aquatique. On peut pas rêver mieux. Des raies? Vous voyez les raies? Blam! Ah, plus de raies! Et voilà. Vas-y, voilà. Et ben voilà. C'était plutôt rapide. Ma foi, c'était cool. Bah, je pense qu'on va pouvoir faire comme ça. Hein. On va s'organiser comme ça, et puis bah voilà. Ouais, génial. Pour faire ça. Bon, et bah du coup, on déménage ici. Je vais pouvoir m'installer sur la petite île. Mais avant, j'aimerais qu'on chope un tyrannosaure. Oh, un mégalodon! J'espère que celui-là sera beaucoup mieux. Il est mort. Ah non, il est inconscient. Bah dis, c'était rapide. Monsieur, voici du poisson ou de la viande, selon ce que vous mangez. Je ne sais pas ce que vous mangez. C'était plutôt rapide. Le mode d'inconscience. Oh. Tu ne manques pas décédé. Merci pour ta chair. Adopter une manta? Il me semble que oui. Oh! Aïe! La vilaine! Ah! Je l'ai tué. C'est. Aïe! Oh! Ah bah alors là, vous allez tous y passer. Non mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Oh! Vous voulez jouer à ça? Venez là. Allez, venez, 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 venez. On va s'amuser un peu. Venez là. Vous me faites tout péter. Ils sont où? C'est bon? Je les ai tous tués? Non mais sans déconner, ils m'ont tout explosé. Plus d'armure. Oh, sans déconner. Bon, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un masque de plongée, honnêtement? Non, 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 non. Mais je pense que je lui ai fait pas mal de dégâts quand même, mon petit A. Oui, 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 je vois. J'ai fait quand même pas mal de dégâts. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre qu'il arrive à avaler le petit poisson pour que je puisse l'adopter. Alors, il me semble que sur cette île, je dois avoir d'autres dinosaures. Il me semble, je crois qu'ils sont là-bas. Oh, licorne. Par de la viande, ça donne quoi une licorne, honnêtement? Non. Une course, lui, ou... Flèche. Ah, t'as de la chance. Oh, j'étais un sniper à l'époque. À l'époque. Là. Il s'est passé quoi? Oh, pouf. D'accord, inconscient. Mais on peut pas adopter une licorne, donc bah... Voilà. C'est triste quand même, non? Ah, ça donne de la fourrure, c'est bien ça. J'ai une flèche en fière avec. Je dis pourquoi pas. Ouf. Non, toujours pas, toi, petit mégalodon. Bon, bah écoute, moi pendant ce temps-là, je ramène mes potes. C'est parti, déménagement. Oh non, oh non. Toi, c'est même pas la peine. Ah, vous êtes deux.
Par contre, je suis en train d'user mes flèches tranquillisantes pour pas grand chose. Ça me saoule la mort. On va éviter. Je vais les attaquer avec des flèches normales. Qui sont juste là. Et je vais les défoncer. Bonjour. Au revoir. Rapide. Bien. Alors maintenant, j'aimerais qu'on aille au nord et qu'on se chope un tyrannosaure. C'est quoi ça? Une selle de brontosaure, d'accord. Est-ce que tu aurais une selle de mégalodon ou de tyrannosaure? Non, il n'en a pas, apparemment. Est-ce que je peux en fabriquer? Selle. C'est quoi ça? Argentavis, mégalodon, pelagorni, pteranodon, stegosaure. Ah, non, ça c'est triceratops. Ok, c'est quoi ça? Stegosaure, d'accord. Ah, j'ai froid. Parasaure. Ichinosaure, ok, d'accord. Bon, il faut un établi pour pouvoir fabriquer la selle de tyrannosaure. Donc, on va l'établir, on rentre. On va voir l'établi. On va voir l'établi. Et puis, bah. On va pouvoir faire les trucs. Petite selle. Et on va se choper un tyrannosaure. Un T-Rex. Que l'on va appeler Boa. On va l'appeler comme ça. Alors. Celle. Non, c'est pas là-dedans. Oh, punaise. Voilà, celle. T-Rex, ici. Il me manque de la peau et des fibres. Peau, fibres. Alors, j'ai pour l'ankylosaure, mais toujours pas assez pour le monsieur. Hop. C'est quoi ça? Brontosaure. Carno. Ah oui, pourquoi pas. Carnotaure. Diplodocus, d'accord. Giganosaure. Titanosaure. Brontosaure. Bon, on va faire le T-Rex. Ça prend un peu de temps. Il faut que je répare encore ça. Pour réparer, il faut quoi? Faut quoi pour réparer? Faut. Oh, bah, faut pas grand chose en fait. Mais bon, je vais pas te mentir que ça me saoule un peu quoi. Merde, non. Ça me saoule un peu de réparer mon armure. Limite, en fait, j'aurais même pas besoin d'armure. Mais bon. Et je pense qu'en fait, les armures réparées, ça se casse plus facilement que les armures toutes faites. Ah, il s'est mis là. Voilà. Survivant. Hop. Non. Il est marrant. Voilà. Et les mains. Parfait. Et ben partons à la chasse au tyrannosaure. Génial, il fait nuit. Punaise. Bon. On va au moins faire le trajet. Allez, c'est parti. On va pouvoir aller choper un petit tyrannosaure là. J'ai équipé le flèche tranquille. Oui, il me semble. Oui. J'en ai 30. Bon, je pense que ça peut aller. Même avec 30 flèches tranquillisantes, je pense que ça peut passer.
on a la selle, on a tout pour prendre un parfait petit... Oh, c'était quoi qu'on avait croisé là? Ah, c'est bien ça. Trilobit. Je prends ce que t'as sur toi, mon pote. On y retourne. À la limite, on pourrait y aller à la nage. Ah, par contre, j'aimerais juste voir pour le mégalodon. Enfin, je sais pas si je peux faire une selle de mégalodon. Là, comme ça. Oui, celle de mégalodon. Il faut juste du ciment et de la peau. J'ai plus de peau. J'ai plus de peau. Désolé, mon pote, j'avais plus de peau. J'avais que je fasse avec. Et le ciment, ça se fabrique bizarrement. Sachant qu'il m'en faut 30, il va falloir calculer. Mais j'avais pas déjà une selle, parce qu'il me semble que j'avais déjà eu un mégalodon. Et qu'il était décédé. Donc je pense que je devrais avoir encore ça, à mon avis. Voyons voir. Ici, il y a des choses. D'accord. S'il y a rien, s'il y a rien, il y a rien, il y a rien. Il y a rien, il y a rien. S'il y a un truc. Des grands armes de stockage. Ah, ici, il y a pas mal de bouffe. D'accord, je vois, mais pas de sel. Non plus. Toujours pas. Non, rien n'est pas là. Rien. Ah, ici il y a des trucs. Ah, bah voilà du cristal. Je me doutais bien que j'en avais. Quand même. Bah je crois que je ne l'ai pas. Donc bah va falloir faire avec. Va falloir en refaire, hein. Tout simplement. Il n'y a pas 36 solutions. Il faut en refaire. Ok. Alors. J'ai beaucoup de viande avariée. Mais j'ai beaucoup de narcotiques. Tonne-moi tout ça. Là. J'ai de la kératine, machin. Il manque juste de la pierre. De la pierre, j'en ai. Elle est juste là. Oh, tu m'en fais, écoute. C'est tout ce que je te demande. Médecine. Stimulant. Ah, il faut des narcoberries. C'est ça qui me manque à chaque fois. Narcoberries. Fantastique. Au niveau des armes, des munitions, je ne peux plus me faire de flèches pour la simple et bonne raison que je n'ai plus de branchage. Messieurs, allons chercher des branchages. On a juste là, sous nos pieds, c'est génial. Voilà. Désolé pour ce bruit assourdissant. J'étais en train de faire quoi? Je me souviens même plus. Ah oui, non, c'est pas là, c'est là. J'ai pu faire 12 ciments. C'est pas du tout assez. Donc déjà, si 100 de pierre, ça ne suffit pas. Si 100 de pierre, ça ne suffit pas, c'est qu'il en faut encore plus, du coup, beaucoup plus. Bah, let's go prendre de la pierre. On va juste éviter de la péter, carrément. Hop.
Là. 14. Ça nous en fait 13 et 13, 20, 26. Ils en font encore. Mais donc, j'en ai encore combien à faire? 53. Pas fini. Hein. Bon, je pense que là c'est bon, j'en ai assez. C'est bientôt fini. Oh mon Dieu, le silence. Et bah là, le tyrannosaure, si on le chope pas, c'est soit je fais beaucoup trop de dégâts, soit bah, on est vraiment nul. Mais bon là, même si t'es nul, je pense que t'y arrives quand même, quoi. Ok. Tac. 26, 27, 28, 29. Et voilà. 1. 0. Pendant ce temps-là, j'aimerais que tu me fasses beaucoup de narcotiques. Merci. Hop, ça je le prends. Alors, accéder à l'inventaire. On va donc y poser notre ciment. Et on va faire notre petite selle. Ah bah non, le ciment, faut que je le prenne pour moi en fait. Tac. Mégalodon, il manque quoi? Ah, il manque des fibres. Et de la peau. J'en ai récupéré pourtant. Et bah, allons chercher là-dedans. On a là-dedans, profitons-en. Il y a énormément de viande avariée. Tac, tac, tadam. Voilà, voilà. Je pense que c'est ok pour cette petite selle. Et bah maintenant, nous pouvons aller chercher un Tyrannosaurus Rex. Pas super long, mais grand quand même. Non, je suis dans l'océan d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Oh, le marais! Je n'aime pas le marais. Méduse. Eh, mais je vais beaucoup plus vite dans l'eau.
par contre, le fait qu'il fasse nuit, c'est un peu chiant. On peut pas vraiment passer le temps, quoi. Oh, c'est quoi? Ah, d'accord. Mégalodon, mais. Très très clair. Je pense qu'on devrait pas être loin. On n'est pas loin, en effet. À un moment donné, on devrait apercevoir une île. Ça se trouve normalement par là-bas. Si je me rappelle bien de la map. Exact. Pourquoi pas aller chercher l'hôtel pour voir ce qu'il y a dedans, s'il y a des trucs mieux qu'avant ou. Il y a toujours des dodos ici. Commence à faire jour, je crois. Ah bah l'hôtel c'est sur l'île en fait. Alors cette île là elle est merveilleuse, par contre elle est super dangereuse. Il y a tellement de dinosaures sur cette île que je n'ose même pas y habiter tout seul en fait. Je le faisais avec mon ami mais non en fait faut pas, enfin faut y aller mais t'es des très bons dinosaures. On vit full généralement. Alors, waouh, un schéma, des schémas, c'est waouh. Cryo-frigo, au niveau des armes, on a des cryopodes. D'accord, bah non, du coup, c'est mort pour celui-là. Oh, rouge, fer, oh, très beau le mixte. Alors, normal. Ah, c'est un mégalodon, je croyais que c'était le truc énorme là. Ça me fait rappeler de mauvais souvenirs. Normalement, les tyrannosaures sont là-bas. On devrait en croiser énormément sur cette montagne. Ça devrait être intéressant d'y aller. Allez, jeter un œil seulement. Il fait nuit, donc on va rien y voir. Ah, donc en fait, là-dessus, il y a des Argentavis. C'est merveilleuse. Chose. Ça c'est un Carnotaur, je vous le présente. Encore des Argentavis. Alors sachez que les Argentavis quand ils attaquent ils se régénèrent en temps. Je sais pas ce que c'était que ce bruit. Quand les Argentavis oui ils attaquent ils se régénèrent en fait en même temps. Aïe. Bon je pense que il fait assez jour pour pouvoir commencer à fouiller. J'avais dit que c'était par là-bas. Parce que là après on part en Arctique et on n'est plus du tout au bon endroit. Alors c'est parti. Je pense que le mégalodon c'est fait. Normalement j'ai dû l'adopter, ça doit être bon. Ah si c'était l'endroit où j'arrêtais pas d'attraper les petits dinosaures volants comme celui que j'ai à la maison. Ça c'est deux stégosaures, d'accord. On va monter. Est-ce que c'est un T-Rex? Je crois que c'est un T-Rex. Alpha, il est génial. J'ai raté. Le fait qu'il soit alpha, c'est plutôt pratique. Oh, j'ai chopé. Oh. Ce qui est bien, c'est qu'il s'attaque au stego là. Du coup, je peux continuer à l'attaquer tranquillement. Pardon.
Alpha, c'est génial. Je tiens un peu haut de part parce que... J'ai clairement l'impression de ne rien lui faire. Bam! En tête, directement. Bon, j'ai repris. Je sais pas à quoi il ressemble, mais quand il sera à terre, on va l'observer bien, bien, et à mon avis, il doit être magnifique. Par contre, il est vachement long. Il a fait de faire beaucoup de flèches. J'en ai 196 encore, ça va. Je vais te balancer 180 flèches dans le. Non, un cuisse là, comme ça. On va lui en mettre un peu partout. Le problème, c'est que en fait, j'ai très très peur de le tuer. Par le lien. Sur la queue. Ce qui est pratique, c'est que vu qu'il est en train de bouffer les cadavres des cités gouverneurs, tranquille là. Non, ça j'ai tiré à côté. Ah oui, non, alors là, non, c'est vraiment pas le bon moment. Je peux pas me faire un arc vite fait là. Il s'est pété au pire moment, cet abruti. Il faut quoi? Défier. Faut défier, il faut défier. Vite, 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 vite. J'en prends beaucoup, comme ça je serai tranquille. Allez mon pote. Allez champion. Bah. T'as cru que c'était fini? Non, je peux me faire un arc. Là. Tiens. Comme ça, là. Ça plaît pas, hein. Pas gentil. Ah. Là, je pense que c'est dinosaure. Quand est-ce que tu vas faire un gros dodo? Dors. Je t'ai dit dors. On va lui en mettre un au bout de la patte là. Paf! J'ai jamais pensé qu'il serait brisé le machin. En fait, j'ai l'impression que sa torpeur elle augmente pas d'un poil. Je sais qu'il est alpha, mais bon, quand même quoi. C'est pas le fait qu'il bouffe un stégosaure, parce que le stégosaure qui est en train de bouffer c'est un tech, donc à mon avis je pense pas que ce soit ça. Allez, quand est-ce que tu vas dormir, bordel? On va y être encore ce soir, hein. Même le brontosaure j'ai eu plus facile à le choper. Attaquer l'autre côté du corps, c'est pas possible. Le truc, c'est que je veux pas trop m'approcher parce que si à un moment donné il détourne son attaque et qu'il s'attaque à moi, bah, je suis foutu. Génial. Quoi? J'y crois pas, il manque des fibres. Il faut une plante là.
là. Elle répare. Non ! Pourquoi ? C'est super relou. C'est super relou. Pourquoi ? On va s'arrêter là. Punaise ! Ça, sans déconner, il était alpha quoi. À quoi ça sert les flèches tranquillisantes si c'est pour que ça tue? C'est complètement débile. Et bah. L'arbalète est pétée, qu'est-ce que tu veux faire? L'arbalète est pétée. Est-ce qu'on sort Tintin quand même avec l'arc? Je pense que. Moi je dis ça se tente, hein, de toute façon. Tant qu'on est là, vaut mieux en profiter. Oh là, qu'est-ce que c'est chiant de grimper les montagnes. Quoi? Wow! Oh bah dis, le Yen, je l'ai défoncé. Je pense pas qu'il soit tout seul. Non, en effet, il est pas tout seul. Il disparaît quand lui. Oh putain, déjà. Ouais, vas-y. Plus personne. Très bien. Bon, bah c'est parti, on continue le chemin. Je sens que cette montagne va être super relou. Est-ce juste une impression ou une réalité? Pourquoi t'as fait un saut de 40 mètres? Est-ce que je peux savoir? Quel abruti. Oh là, sans déconner. Il manquera plus qu'on meure. Bon, ça m'étonne. Honnêtement, je pense pas que ça arrivera tout de suite. Mais bon. Ce qui serait cool, c'est quand même monter la montagne, quoi. Ah! Ah bah, on a un tyrannosaure. On a une cible! Mais il y en a plein, en fait. Oh oh! C'était pas folie! Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est de l'obsidienne. Pa. Pa. Je suis mort. Quoi? Ouh, je l'avais pas vu. Ouh. C'est quoi ça là-bas? Je vois un... Ah, d'accord. C'est le chef de tribu. Ok, il est là. Ça va, il m'a pas suivi. On va prendre juste un peu d'obsidienne. En profiter. Ouais non. Voilà. Faudra que j'aille sur un endroit où il ne peut pas m'atteindre. Il a bougé. Oh oh. Oh. Aïe. Aïe.
mais il court vachement vite. Aouh. Aïe. Anti, c'est bon là. Saut de 46 mètres. Oui. Ah. Mais oh. Comment il fait? C'est quoi ça? C'est pas un tyrannosaure? Ah. Parenti, il me met vraiment mal. C'est quoi ça? Dis pas que ça c'est un tyrannosaure. Ah mais attends, mais je courais pas depuis le début. Non, parce que là je crois que je cours. Attends, je cours. Ah oui, mais je courais pas depuis le début en fait, c'est pour ça que j'avais du mal. C'est quoi ça? Oh. Ping. Oh. La flèche bien dans le crâne. Bon bah voilà. T'es mis le droit en main. Ce que tu as sur toi ne m'intéresse pas. Je te rassure. Là, on a un bel Argentavis. Je crois que je peux faire une selle Argentavis. Il me semble. Argentavis. Il manque juste un petit fibre. Bon, bah écoute, moi je dis ça se tente. Hein. Ça se tente. Archantafis! Poum. Et bah voilà, bah c'était rapide. Deux flèches. Je ne sais pas du tout ce que manger d'Argentavis, donc bah sers-toi. Je vais juste aller chercher des fibres pour pouvoir faire ta petite selle. Oh. Ah, il y a un problème. Qui? Oh les. Je les déteste, je déteste les hyènes, c'est définitif. Punaise! Bah attends, par contre, je reprends ce qu'il y a à l'intérieur quand même. Je reprends ce que je t'ai donné, mon pote. Maudit soit les hyènes. Maudit soit les hyènes. Oh, c'est quoi ça? De ouf! Comment il te sprint lui? Oh, longs ongles! Longs ongles, on l'appelle comme ça avec mon pote, parce qu'il a bah il a des longs ongles quoi. Je crois que je peux l'assommer lui. Eh hey, viens là. Pas. Ah bah j'ai tué. Je crois que je peux pas adopter d'hyène en fait. Tant pis. Salut toi. T'as un problème. Pouh. Oh la vache. Ah tu m'as. Tu veux jouer? Ok, ok, non mais d'accord, ok. J'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Viens là. Dans ton gros crâne. Bah. Je vais finir par là-bas, hein. Oh, il fuit! Oh, c'est mignon! Bah alors, t'as peur? Non, 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 tu vas revenir là. Ah, je l'ai vu. Aïe! Oh, la vache! Pas besoin de vous, les smiodons. Bon, bah. Salut, toi. Je suppose que tu manges de la viande, ça me... enfin ouais, ça me paraît logique quoi. Aïe. Oh dis, oh c'est bon. Oh. Oh il est beau. Tu t'appelles comment? C'est quoi comme... Oh. Oh. Il est beau lui.
C'est quoi comme... Ah, ce côté quoi? Un térizinosaure. Un térizinosaure. D'accord. Je vais voir si j'ai ça. Déjà, je sais pas si je l'ai appris, cette selle. Mais faudrait que j'apprenne toutes les selles. Selle. Carbonémis. La signa. Tac, tac, tac. Oh. Ouah! Voilà. Ah, tu me voles des trucs? Ah non, d'accord. Non, 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 il me vole pas des trucs en fait. Oh, petite flèche là, ça te met mal, hein. Ah, oh, il s'endort tranquille. Je vais bien reprendre ma flèche. Bon, apparemment, il n'y a personne d'hostile à l'horizon. Ça a l'air plutôt bien. On va re-regarder pour les selles. Selles. Hop. Scène de tin. Ouais. Ah, je crois que c'est ça. Oh non, ça se fabrique en atelier. Oh, c'est chiant ça. Ah non, c'est ça. Mais ça se fabrique aussi dans un atelier. Donc ça ne change pas grand-chose. Celle de Quetzal, l'atelier, pareil. J'espère juste que ça va se faire vite, quoi. En plus, il est super beau cet Argentavis. Au départ, je le voulais. Mais vu que l'autre était plus près, bah. Je me suis dit pourquoi pas. Je voudrais. Non, c'est pas ça. Oui. Non, c'est pas ça. Je voudrais juste regarder pour ce truc-là. Ouais, ça y est pour le mégalodon, ça y est. Apparemment, il souffre pas trop, ça va. On attend plus que. De bien se remettre. J'espère juste qu'il n'y aura pas de dinosaures hostiles dans le coin. C'est juste ce que j'espère. Je fais un petit tour. Voir s'il n'y a pas de dinosaures hostiles. Et je pense que déjà, mon avis serait déjà venu. Ça a l'air d'être. Non, ça a l'air d'être bon. Puis c'est un beau jour ensoleillé. Oula. Oula. Ah. On peut même pas améliorer la vitesse de l'Argentavis. C'est relou. Les oiseaux, on peut pas améliorer leur vitesse, sauf les petits. C'est chiant. Les oiseaux terreur, peut-être. Non! Non, il va déjà faire nuit. On était venu pour un T-Rex, et finalement, on va repartir avec un Argentavis et un Térizinosaure. Par contre, j'ai pas toute la journée. C'est bien problème.
s'il commence à faire nuit, je crains le pire. Ça fait déjà 1h16 que je tourne, punaise. Qu'est-ce que ça passe vite? En train de descendre le truc? Ouais, en train de descendre. Lui aussi. Il descend pas dans le bon sens, mais bon, il descend. Je suis pas sûr qu'il y a marqué combien de temps ça prend. Non, il n'y a pas marqué. Eh hey, mais ils perdent en conscience l'autre là. On va lui redonner un petit peu de conscience. Tac, une petite flèche. Et on va lui donner du coup autre chose. Comme des baies. Parce que apparemment il a l'air de manger des baies du coup. Je sais pas lesquelles, hein, donc je lui donne plein de trucs. Ah, ça y est, ça augmente. Et donc pour lui, du coup, c'est bien de la viande ou... Oui, c'est bien de la viande. Je confirme, il mange. Ah bah voilà. En fait, je lui donnais de la viande depuis le début, même pas de la viande, il mangeait. Par contre, j'ai pas vraiment envie de te tuer. Il faut que je te rajoute un peu d'inconscience, quoi. Je te fous une flèche, t'es mort. Alors on va peut-être éviter. Mais bon, ça augmente. Ça augmente. Par rapport à sa chose d'inconscience, ça va. Ah, image. Ils sont inconscients, ça va remonter d'un coup. J'aimerais juste que vous fassiez très vite avant qu'il fasse nuit, quoi. Parce que la nuit, j'aime pas du tout ça. Surtout ici. Surtout ici. Comment ça se passe, toi? Oula. Pourquoi il court, lui? Ah, il y a un petit dilophosaure qui est en train de le poursuivre. Attends, je suis à combien de pourcents pour lui? 78,4. Aïe. Et toi? Oh bon. 99,9. C'est plutôt bien. Par contre, pourquoi il augmente plus? Il n'y a plus de bouffe? Ah si, il y en a encore. Toi, t'en as encore? Yes. Ah, je crois qu'il a mangé. Non. Dis-moi, Argentavis, si je te donne de la viande crue supérieure. Yes. Toute ma viande crue supérieure a été périmée. Génial. Bon bah tant pis pour la viande crue supérieure. C'est un oubli. Je t'aime pas toi. Je veux pas que tu approches. N'approche pas.
Et toi, tu viens, t'es mort, hein. Fais gaffe, hein. Je protège mon territoire. D'accord. Ok, moi je savais pas qu'on pouvait faire ça. Bon, why not? Comment ça se passe? Oh, punaise. Lui, je crois qu'il veut pas, hein, définitivement. Bon, après tout, pour lui c'est pas grave, il y en a encore plein là où on en est. Là où on est, il y en a plein. Donne-moi ta viande. En plus, il y a de la viande supérieure. Toi, mon pote, tu vas kiffer ce que je vais te donner. De la viande supérieure. Alors, hein, qu'est-ce qu'on dit? Ça te tente, hein? Non? Non? Ah, j'en ai déjà passé un là. Ah, que c'était à la fin de terre. Ouh. Hop. Argita, Argita, allez, Argita, c'est bien Argita. Bon Dieu, j'ai fait des torches exprès pour toi. Pour éviter quelques petits désagréments. Mais apparemment, tu en as décidé autrement. Et ça, c'est bien. Ah, c'est la viande supérieure crue qui l'a fait booster comme ça d'un coup. Ça, c'est bien. Ta petite divisée. Ça me donne envie, mon pote. Je suis désolé. Le poids, bien sûr. L'attaque, l'attaque. Le poids. La vie, ouais. L'énergie, tout ça. Si je n'ai encore un peu. La nourriture. La selle que j'ai faite, où est-ce qu'elle est? Oh! J'ai un casque de Triceratops. Je savais pas. Intéressant. Ah! J'ai aussi un trophée du T-Rex Alpha. Oh, c'est un trophée. Oh, c'est génial! Ah, j'avais pas vu que ça. J'ai un revolver. Ah, je crois que je l'ai pas fait le truc d'Argentavis. Celle. Non. Ça. Non. Argentavis là. Il me manque des fibres. Reste là, bouge pas. Bien sûr. Ah. Ah, tu me suis. Bah, tant qu'à faire. Allez. Avec moi. Non, attends. Non, je veux que tu restes là. Pas bouger. Tu ne bouges pas, tu restes là. T'es niveau 111. C'est merveilleux. Bon, il y en a un qui tente de m'agresser. Je le défonce, c'est clair. Allez, fibre. Encore. Là, on est bien. Non.
Maganoan, toi, ishtouchouch, ishtouchouch. Merci, merci. Ok, bon. Toi. Argent, argent. Oh. Pouf. Je disais, argent, ta vis. Ta petite selle. Quoi? Oh, c'est 180. Je vais y arriver un jour, je vais y arriver. Oh! Hello! Ah, j'ai jamais vu celui-là. D'accord, d'accord. Oh, mais je veux la plante, pas la pierre. Bon, je pense que là, on en a largement assez. À mon avis, c'est bon là. Ouais. Argent à la vis. Et ça, c'est une selle de Stégosaure, d'accord. Petite argent à vis. Non, 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 non. Petit vilain. Petite argent à vis. Nous allons pouvoir partir de suite. Parce qu'ici, c'est 10 fois trop dangereux. J'ai pas confiance du tout. Allez, on se casse. Par contre, en énergie, t'es pas pompé du tout là, qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas du tout bien pompé en énergie? T'es manges pas? Ah si, il est bien pompé, il a 10 000. Et oh. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh, des vélociraptors. Terminator, tout ça. Tout le monde est là. Bon, retour à la maison. Ah d'accord, il a tellement pris de dégâts que le bout arrière de sa queue est défoncé. C'est bien fait. Je pense du coup on déménagera sur une autre vidéo parce que ça fait déjà 1h30. On déménagera sur une autre vidéo et puis bah voilà, on va juste rentrer l'argent à vis. C'est tout ce qu'on va faire. Je pense que le Brontosaure, je lui fous un coup, il meurt. Honnêtement. Oui! Je l'ai défoncé. Après un peu de viande, tu vois. Ah bah oui, en plus il se régène, donc voilà. C'est pas plus mal. J'ai chaud, j'ai rien sur moi, j'ai chaud. Je suis à l'ombre. Je suis au soleil. En un coup le brontosaure est mort. Je suis sûr que le titanosaure pareil. Un coup. Les boss. Les boss. Si je ramène tous mes dinosaures au boss. Le boss il va pas faire long feu. Pas. La grande immort en vol. Pring. Il est ouf cet oiseau. Il est ouf.
Je vais regarder où est-ce que t'en es niveau énergie, parce que si on s'arrête en plein milieu de... du marais, on a l'air d'un con. Accéder à l'inventaire. Oh bah ça va, t'as pas l'air bien rangé. Et t'as beaucoup de viande, ma foi. Alors nourris-toi. Plus t'as de la viande supérieure. T'as bien. Ah les crocodiles là ils font pas long feu mon pote hein. Là-dedans, oh le titanoboa. Hello motherfucking. Yep. Un alligator, tiens. Oh ça quand on parle du loup. Tiens Prutive. Je déteste les alligators. Je vais juste me venger pour toutes les fois où il m'a cassé les pieds. Je sais plus par où est la maison. Par là. Ça, tu vas pouvoir te rétablir bien au calme chez nous. Écoutez, ce que je vous propose, c'est que là j'arrête le. Enfin, tu n'as rien, personne. Là j'arrête le live. Et j'en refais un juste après. Pour le déménagement. Je pense qu'on va faire ça. Je sais pas ce qu'il y a en bleu, mais je pense qu'il y a des trucs intéressants. Pas un quad vol, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. C'est quoi ça? Ah oui, c'est espèce de grand zèbre. Pose-toi là. Oh, il est beau. C'est un beau par hasard. Est-ce que tu pourrais te poser par contre? Merci. Aïe. Aïe. Ne vole pas. Non, non, non. Ah, bon bah. Ma foi, si tu l'as eu. Ah, c'est un fiumien ça. Allez. Ta-ta-ta-ta. Encore un Bruntosaur. Oh mais c'est longs ongles. Comment tu vas? C'est là-bas. Il y en a d'autres des longs ongles ici, c'est pas un dinosaure rare. Celui-là il est beau, il est un peu de vert et de blanc. Sympa. Oh mais il y a beaucoup de brontosaures ici. Je vais pas bien là-dedans. Oh j'ai cru que c'était un humain qui était là en bas. Bizarre à dire mais. Un œuf de brontosaure mon pote. Un œuf de brontosaure. Est-ce que tu te rends compte de ce que c'est? J'espère qu'il a pas fait trop mal à l'argentavis. Écoute, si l'argentavis est pas mort, c'est déjà pas mal. Se prendre le coup d'un brontosaur, c'est. Ouais, c'est chaud quand même, hein. Et voilà, bienvenue à la maison mon pote. Alors, comment ça se passe pour ta vie et tout? T'as plus de vie. Wow, t'as pas beaucoup de vie hein.
Ouais, faut vraiment que tu bouffes à fond, mec. Raptor, comment ça va? Au niveau vie, tu t'améliores, hein, ma foi. Ah oui, il est bien au niveau vie, il est bien. Bien, je coupe la live et on fait le déménagement tout de suite. À tout de suite!